Contraint de se faire amputer d'une jambe suite à la récidive de son cancer, Mathieu Lartaud porte désormais une prothèse. Lors d'une interview pour Télé 2 semaines, le journaliste a dévoilé le prix de la meilleure prothèse, qu'il n'a pas pu se payer. Visage emblématique du service des sports de France Télévisions, Mathieu Lartaud commente régulièrement les matchs de rugby qui sont diffusés sur les différentes chaînes du service public. Cependant, le journaliste sportif fut récemment contraint de se retirer de l'antenne pour des raisons de santé. En effet, atteint d'un cancer du genou, le commentateur a dû se faire opérer suite à une récidive de la maladie. Afin de se soigner le plus efficacement possible, Mathieu Lartaud s'est fait amputer de la jambe droite. Depuis, le journaliste a suivi un programme de rééducation, dans le but d'apprendre à se déplacer avec sa nouvelle prothèse de jambe. À quelques jours de son retour à l'antenne, l'animateur s'est confié à ce sujet dans les pages du magazine Télé 2 semaines. Je me prends de plein fouet le complexe du handicap dans ma vie de tous les jours et c'est inadmissible. Si ma parole peut avoir du poids, je vais la faire entendre sur ce sujet et sur celui de l'appareillage. La meilleure prothèse de genou coûte 100 000 euros. Je n'ai pas les moyens de me la payer, comme beaucoup d'autres malades du cancer, a expliqué Mathieu Lartaud. Aujourd'hui, je vais super bien. Je ne pensais pas récupérer aussi rapidement, les kinésithérapeutes et les médecins non plus. Ils sont bluffés et surpris, si est-il le scénario idéal, a également ajouté le journaliste sportif. Sa première apparition à l'antenne depuis son amputation de la jambe droite est prévue pour le dimanche 3 septembre 2023. Ce jour-là, Mathieu Lartaud sera de passage dans l'émission sportive dominicale de la chaîne publique, Stade 2. Mathieu Lartaud de retour, le journaliste commentera la Coupe du Monde de rugby 2023 par la suite, l'animateur officiera aux commentaires des matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023, qui seront retransmis sur les antennes de France Télévisions. Salut les amis de Stade 2. Je sais qu'en mon absence, la maison est bien gardée, mais sachez que mon retour approche. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous le 10 septembre prochain pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby sur les antennes de France Télévisions, avait annoncé Mathieu Lartaud dans un message vidéo, diffusé au sein de l'émission Stade 2 le dimanche 30 juillet 2023. Pour rappel, pas moins de 10 matchs seront diffusés sur France Télévisions tout au long de la compétition. Le reste de rencontres sera retransmis par TF1 et M6.